Madame, mademoiselle, messieurs, bonjour et bienvenue ici à Rhinau, dans un petit village situé à 35 km de Strasbourg, pour évoquer le souvenir, la mémoire de Jeanne-Marie, une jeune fille qui allait avoir 11 ans, sauvagement assassinée l'année dernière, après avoir été enlevée et violée. Elle a subi un véritable martyr, nous confirmera sa famille ici présente. Pour la première fois à la télévision, sa famille qui a accepté de parler aujourd'hui. Une famille très catholique de 8 enfants qui nous dira comment, bien sûr, elle vit aujourd'hui un tel drame, comment elle se trouve portée également par une grâce si particulière qui lui permet, malgré la douleur, de faire face et puis de voir comment et dans quel état d'esprit elle attend le procès qui se déroulera dans le courant de l'année. On va évoquer le souvenir de Jeanne-Marie, qui était une petite fille donc très croyante, je vous le disais, très pratiquante, qui priait énormément. Monsieur et Madame Quégelin, merci infiniment de nous recevoir ici. Vous êtes bien sûr encore et aujourd'hui plongé dans une immense douleur, une douleur qui ne s'effacera bien sûr jamais. Malgré tout, Madame, vous avez, vous, souhaité parler à Catéo, parler de ce que vous éprouvez aujourd'hui comme sentiment vis-à-vis du coupable et également honorer, à travers ce que vous allez dire aujourd'hui, la mémoire de votre fille. Septième de 8 enfants, Jeanne-Marie appartient à une famille catholique pratiquante. Âgée de 11 ans, la jeune fille habite avec ses parents à Rhinau, à 32 km de Strasbourg et à 40 km de Colmar. Alors qu'elle fait du vélo tranquillement, le 18 juin 2004, vers midi et demi, Jeanne-Marie disparaît. Commence alors pour sa famille 11 jours interminables, dramatiques et fatales. Le lendemain de sa disparition, 3 pistes se présentent pour la gendarmerie. La fugue, l'accident ou l'enlèvement. Le 20 et 21 juin, un escadron de 50 gendarmes mobiles explore les environs et les berges du Rhin. Seul le vélo de Jeanne-Marie est retrouvé à seulement 200 mètres de sa maison. Le mardi 29 juin, 11 jours après sa disparition, le corps de Jeanne-Marie est retrouvé à moitié dénudé, en état de décomposition grave, dans la Kirneck, un cours d'eau de la commune de Valf. Un mois plus tard, le 21 juillet, Pierre Baudin, appelé aussi Pierrot le Fou, est mis en examen pour le meurtre de Jeanne-Marie, alors qu'il est déjà accusé du meurtre de 2 autres jeunes femmes, Julie et Edwige. Le 27 juillet, 10 personnes d'une même famille de gitans sédentarisés avec laquelle Pierre Baudin avait des contacts, sont mises en examen dans cette affaire. Peu de temps après, des traces d'ADN appartenant à Jeanne-Marie sont retrouvées dans la voiture de Pierre Baudin, un ancien condamné pour viol et tentative de meurtre, libéré quelques mois auparavant après avoir bénéficié d'une remise de peine. Le 31 juillet, la jeune fille est inhumée, entourée de sa famille et de plus d'un millier de personnes dans le cimetière de Rhinau, son village. La mort de Jeanne-Marie a suscité dans tout le pays, mais également à l'étranger, une immense émotion. Je vous laisse tout simplement la parole pour évoquer peut-être d'emblée les circonstances du drame. Oui. Alors notre petite Jeanne-Marie a disparu le 18 juin. Il s'avère que c'était la fête du Sacré-Cœur. Pour nous, c'est une date qui nous aide à appréhender mieux l'événement. Parce que bon, rien ne se fait... rien n'est au hasard et Dieu, ma foi, a ses plans. Alors notre petite nous a quittés ce jour-là pour aller jouer, chercher des balles de tennis. Enfin, on a supposé que c'était son objectif. Et n'étant pas revenue, nous avons compris tout de suite qu'il s'agissait d'un enlèvement. Parce que chez nous, ce n'est pas la culture de la fugue du tout. Nous sommes une famille unie et les enfants s'épanouissent bien. Alors tout de suite, nous avons compris que nous avons senti tout de suite l'issue dramatique. Alors dans ce cadre-là, une course contre la montre, j'imagine, dans un premier temps, se lance. Une course infernale, finalement, où chaque minute compte. Chaque minute comptait. Et je veux dire, c'est après 11 jours de recherche, d'angoisse, qu'on a retrouvé son petit corps à Valf, baignant dans un ruisseau. On se demande comment aujourd'hui vous arrivez en fait à dominer cette douleur si présente, si tenace. Bien, je vis avec elle, tout simplement. Je vis avec elle.
Quand je pense à elle et ce qu'elle a souffert, je pleure. Mais je sais que j'ai la certitude qu'elle est au ciel et qu'elle est heureuse là-haut et que ça me permet de surmonter toutes ces épreuves. Vous avez des signes ? Je la sens présente. Quand je regarde ses photos, son image, elle me sourit. Et donc je la sens heureuse et puis quand ça ne va pas, je l'invoque. Pour moi, elle est au ciel et c'était mon devoir. C'est le devoir principal des parents, de mettre leurs enfants sur le chemin du ciel. Eh bien, je pense que nous avons réussi. Et puis, elle a pris son chemin tout seul. Madame, vous l'invoquez vous aussi, et de quelle manière ? Oui, je vais beaucoup sur sa tombe. Mais je l'aide pour mon quotidien. Enfin, je l'invoque, excusez-moi, pour mon quotidien, pour qu'elle m'aide dans mon quotidien et... Bon, je veux dire, ça va. Nous sentons quand même, de par tous les témoignages qui nous sont parvenus, nous sentons la grande force, la communion des saints. Et bon, je veux dire, on arrive à faire face à cette situation. Bon, le plus douloureux, bien sûr, est pour les enfants, naturellement. Nous avons, notre sillon est tracé, je veux dire. Celui des enfants est encore à tracer, donc il est vrai qu'il ne faut pas qu'il se laisse, je veux dire, qu'il se laisse abattre. Donc notre rôle est de les réconforter, de leur dire une parole qui puisse leur permettre de se relever. Eux, ils ont encore à se construire. Bon, pour nous, c'est fait. Mais voilà, c'est notre rôle maintenant. Et il est vrai que j'invoque beaucoup ma petite pour qu'elle m'aide dans ce sens. Je trouve les mots qu'il faut, les... Voilà. Votre raison de vivre aujourd'hui, c'est faire en sorte que vos enfants puissent, tant bien que mal, franchir le cap. Voilà. Bon, Dieu merci, il n'y a pas eu de révolte. C'était ma grande crainte, parce que si en plus il avait fallu gérer une situation de révolte, je pense que je n'en aurais pas eu la force. Donc, pour l'instant, à ce niveau-là, ça va. Mais il est vrai que nous sentons notre rôle, nous parents, quand même, notre rôle est indispensable. Vous dites qu'il n'y a pas eu de révolte contre qui, contre quoi ? Ben, il n'y a pas eu de révolte, je veux dire. Il n'y a pas eu de parole haineuse contre Baudin, par exemple. Et ses comparses. Pierre Baudin, qui est pour les téléspectateurs, le tueur en série. Hein. Le tueur en série, donc c'est important pour nous. C'est vrai que j'appréhendais un petit peu. Mais non, il n'y a pas eu de... Bien qu'il y ait par moments des moments de découragement, ça c'est inévitable. Hein. Mais dans l'ensemble, je dis bien à part quelques... À part peut-être l'un de mes enfants qui a du mal à surnager, dans l'ensemble, ils font face. Bon, il est vrai qu'on ne peut pas sonder les reins et les cœurs, hein, mais quand même, globalement, je veux dire, ils abordent leur scolarité avec sérénité, même si je me rends compte qu'il y a des trous, la mémoire a été touchée, il y a eu ça c'est sûr, mais bon, ça aurait pu être pire. Donc, bon, je pense que vraiment la grâce fait son travail. Est-ce qu'on peut la qualifier, cette grâce ? Ben écoutez, il y a déjà la grâce qui nous est donnée, je pense, par toutes ces prières hein, qui se disent dans les monastères, dans les familles. Hein. Ça, c'est inévitable. Et puis la grâce, ben, la grâce d'État. Donc nous, la grâce qui nous est donnée déjà par le sacrement du mariage, hein, c'est... Je veux dire, ça nous a... on a apporté cette épreuve à deux dans un premier temps, c'est sûr. Bon, et les enfants sont aussi là pour faire ciment, hein, c'est vrai. Mais je pense que cette épreuve ne pourrait pas être surmontée sans l'aide de Dieu. Et je plains vraiment à ceux qui n'ont pas cette chance de croire. Vous l'avez toujours eu, la foi. Oui, est-ce que vous l'avez développée depuis Sonoram et de quelle façon ?
Eh bien, je dirais que je me mets. J'arrive mieux à contempler. Ça m'était difficile de faire de la méditation, ce n'était pas une chose qui m'était facile. Eh bien, ce drame m'a beaucoup aidé maintenant dans la méditation, parce que je vis ce drame comme la Sainte Vierge a vécu le Golgotha de son fils. Oui, en toute humilité, hein, je m'assimile un petit peu au vécu de la Vierge Marie. J'ai dit, on t'a pris ton fils. On t'a pris ton fils pour la rédemption du monde. Ben, j'ai dit, bon, ma petite est partie. Bien sûr, c'est personnel tout ça, hein, mais c'est comme ça que je le perçois. Je dis, bon, ben, écoute, ma petite, tu es associée à notre Seigneur sur son chemin de croix. Pour vous, pour la famille, c'est bien sûr un chemin de croix terrible. Vous disiez tout à l'heure que effectivement vous étiez, vous, quand même porté par cette grâce. Vous en sentez vous-même les retombées aussi, monsieur, au quotidien? Mais je vis avec elle, donc elle fait partie intégrante encore de la famille. Je ne la vois pas, je la sens, et donc je l'invoque, je la regarde. Quand je passe dans le couloir, je vois sa photo, et elle m'aide à surmonter tout ça. Je sens que elle est bien, et il ne me reste néanmoins la peine de savoir qu'elle a terriblement souffert. Mais elle a fait son chemin. Pour moi, c'est une très grande consolation. Donc, c'est l'espérance. C'est l'espérance. Et qu'un jour, nous la rencontrerons. Et qu'au moment ultime, elle nous accueillera. Donc je sens très bien qu'elle nous aide, elle me donne du courage à ne pas abandonner, à persévérer, à continuer aussi à vivre. Parce que malgré tout, la vie, elle continue. Vous ne pouvez pas trop regarder dans le rétroviseur. En regardant en arrière, les circonstances notamment, les circonstances aujourd'hui ne vous intéressent pas, ou au contraire, vous êtes obligé de les imaginer pour mieux faire votre travail de deuil? Quand elle avait disparu, ce jour-là, je savais que je ne la retrouverais pas. Donc, pour moi, c'était fait. Je dirais, j'ai déjà eu la conviction que, bon, je dis, on ne la retrouvera pas vivante. Donc, la seule souffrance, la souffrance principale, c'est de savoir qu'elle a terriblement souffert. Et bon, ce sont des instants sur lesquels, je ne m'attarde pas, en sachant et en pensant que maintenant, elle est heureuse. Donc, en fin de compte, on peut simplement se poser la question, faut-il tant souffrir pour aller au ciel? Peut-être. Eh bien, elle n'a pas refusé. Elle n'avait pas le choix, certes. Mais elle n'a certainement pas refusé. Oui, et je pense que... Oui, parce qu'à la maison, il est vrai que dans l'éducation que nous donnons aux enfants, la souffrance, elle est sublimée en quelque sorte. Hein, quand les enfants se pinçaient le doigt, on disait toujours « tu donnes à Jésus ». Il y avait toujours dans nos principes éducatifs, il y avait toujours ceci. Il faut pas, faut toujours, toujours unir nos contrariétés, nos peines à celles de notre Seigneur. Alors donc, je pense que dans ce moment-là, elle a dû avoir ce réflexe, n'est-ce pas, sans doute, bien sûr, que vivant dans l'angoisse, on ne peut jamais, n'est-ce pas, comment appréhender la chose, hein, mais je pense qu'elle a sans doute eu ce réflexe de donner toutes ces peines à notre Seigneur, puisque elle le faisait assez spontanément à la maison.
Vous disiez il y a quelques instants en fait qu'elle était là, assise à votre place, et qu'elle venait prier presque tous les jours, tous les quarts. Ben, disons qu'elle avait pour habitude de venir écouter toujours un chant sur Jésus. Et puis, il est vrai qu'elle souvent, elle s'isolait dans le jardin, elle récitait son chapelet. En plus du chapelet familial que nous récitons quotidiennement, c'est vrai, elle avait dans le jardin, elle avait un petit endroit où elle récitait son Angélus. Son frère lui avait fait une croix, alors elle était pieuse, oui. Et oui. Bon, c'est vrai qu'à la maison, nous vivons notre foi, c'est sûr. Mais je pense que ce qui n'est pas étranger à tout cela, c'est qu'elle a fait de longs séjours, enfin nous y allons aussi souvent, en Italie, à San Amino, c'est une apparition mariale. Et là-bas, il y a fait donc, de par les circonstances familiales, je devais m'occuper de mes parents âgés et tout. Alors elle a dû, je l'ai confiée à une de mes sœurs qui habite à proximité, ce qui fait qu'elle a fait de très très longs séjours là-bas. Et je pense que le fait qu'elle ait une vie spirituelle si profonde, ces longs séjours ne sont pas étrangers à cela. Je pense que la Très Sainte Vierge avait dû façonner ce petit cœur, vous voyez, et vraiment le conduire à son Fils, parce que le rôle de la Très Sainte Vierge, c'est de nous conduire à son Fils. Et voyez-vous, nous avons retrouvé deux jours après sa disparition, dans sa cabane de petit jardin, de jardin, dans une petite boîte, des petites prières. Enfin, c'est son frère, c'est mon fils séminariste qui a trouvé ces petites prières. Et toutes ces petites prières ne parlent que de Jésus. Vous voyez, donc, en quelque sorte, elle était arrivée au bout du chemin. Parce qu'elle aurait pu très bien mentionner quelques prières à la Sainte Vierge, mais non, c'était tout sur Jésus. Et pour vous, monsieur, qu'est-ce qui vous marque le plus dans son côté très mystique que votre femme décrit? Mais elle avait fait beaucoup de progrès parce que elle avait un caractère un peu difficile, un caractère un peu carré. Mais masculin, vous dire. Un peu masculin, mais elle s'est améliorée régulièrement. Elle avait demandé des grâces à Jésus qu'elle a obtenues, la grâce d'être bonne, de rester dans la joie. Et de faire beaucoup de sacrifices. Et elle a fait tout ça, et elle a eu tout ça. Jésus lui a donné toutes ces grâces-là. Elle a eu la joie aussi de savoir qu'elle les a eues. Parce que dans ses petits mots, elle l'a remercié. Et c'est très important parce que sa vie elle a complètement changé. Donc son caractère est devenu docile. Aimable, souriante, jamais contrariée. Je lui avais expliqué une fois que pour faire la volonté du bon Dieu pour les enfants, que ce n'était pas très difficile. Il suffisait d'écouter les parents. Donc, quand les parents leur disaient quelque chose, qu'il fallait le faire, et ce n'était pas plus difficile que ça. Et au fur et à mesure de son avancement en âge, elle commençait à faire cela. Elle rendait des petits sacrifices, c'était des sacrifices à son niveau, préparer un dessert, préparer le café, mais elle prenait cela sur elle-même, mais c'était des sacrifices, et pour faire plaisir. Donc il y avait tout un ensemble qui a fait que elle progressait sur le chemin du ciel en tant qu'enfant. Il est vrai qu'elle faisait partie des enfants adorateurs. Alors sans doute que ce sont des choses aussi qui ont été... comment conseiller dans cet atelier, enfin si on peut appeler ça un atelier, donc elle mettait à exécution ce qu'on leur avait enseigné. Mais il est vrai que c'était net. Elle entraînait même sa petite sœur, je veux dire. Il y avait un peu une petite compétition dans le sacrifice, quoi. Ouais. Alors justement, comment vos enfants,
puisque vous êtes à la tête d'une famille de 8 enfants. Comment ses frères et sœurs ont-ils vécu ce drame et comment aujourd'hui arrivent-ils en fait à surmonter un peu cette épreuve? Dans un premier temps, je veux dire, les enfants, on était un petit peu bon, assommés, il est vrai, mais on s'est dit, cette chose-là, bon, nous prions les anges gardiens, cette chose-là, bon, bien que nous, parents, on a senti tout de suite qu'on ne reverrait pas notre petite vivante, d'un autre côté, il y avait, c'est vrai, ça paraît pas cohérent, mais d'un autre côté, on s'est dit, cette petite qui est partie, on va la retrouver. Un petit peu comme Jésus perdu et retrouvé au temple. D'ailleurs, il s'avère que le samedi, hein, le jour qui suivait sa disparition, c'était l'évangile du jour. Jésus perdu et retrouvé au temple. Donc on s'est dit, après quelques jours, les enfants, tout du moins, ils le vivaient comme ça, on va la retrouver. Bon, puis les jours passant, bon, il a fallu se rendre à l'évidence, ben, que... Enfin, nous, on a assez vite compris. Nous, parents, non. C'est assez clair. Quand un drame de ce genre vous frappe, il faut trouver une explication aux choses. Ça nous aide mieux à l'appréhender, à le digérer, etc. Donc, mon garçon avait reçu une lettre de sa filleule, et dans cette lettre, il y avait une petite prière d'une neuvaine de Sainte Rita. Et quand on lit les paroles de cette prière, eh bien, nous étions tout à fait dans dans l'esprit, je veux dire, nous étions dans nous vivions une situation d'angoisse. Et c'était une prière justement sur l'angoisse, vous qui êtes dans l'angoisse, etc. Peut-être qu'il serait bon que nous lisions cette prière, je ne sais pas. Voilà, il y aura dans un instant, mais Sainte Rita, qui pour les téléspectateurs, hein, étant une sainte qui s'occupait notamment des causes... Des causes désespérées. Donc, vous voyez, il s'est trouvé qu'elle avait envoyé cette neuvaine de Sainte Rita à son frère et qu'il avait reçu ça le jeudi. Donc, ces petits signes nous ont aidés à comprendre que nous n'étions pas abandonnés, que Dieu gérait la situation. Mais de toute façon, pas un cheveu de votre tête ne tombe sans que Dieu ne le permette, ça nous le savons. Mais quand de là le vivre... je veux dire, au premier degré, hein, comme nous le vivions, ce n'était pas quelque chose d'évident. Mais pour nous, on avait besoin d'être rassurés, de se rendre compte quand même que Dieu nous était là, toujours, que nous n'étions pas orphelins, qu'on était désemparés, mais que toujours, hein, il était présent. Alors, cette prière nous a fait comprendre, bon, oui, nous a aidé vraiment à mieux cerner le drame. Et puis ensuite, deux jours après sa disparition, donc, nous avons trouvé ces petites prières dans la cabane, comme je disais tout à l'heure. Donc là, on a compris que, bon, ben, que oui, que Dieu, dans notre grand désarroi, nous a laissé ce trésor pour nous permettre de penser nos plaies et puis d'aller de l'avant, quoi. Il s'agissait de se relever. Puis bon, il s'agissait aussi que mes enfants se relèvent. Alors ça, c'était une grande, grande, grande consolation. Ça vous oscillait visiblement en permanence entre le fait d'essayer de comprendre et puis d'autre part de naviguer, de vous laisser un peu porter. Hein. Mais dans un premier temps, c'est sûr qu'il fallait trouver une réponse à tout ça. Et on a assez vite, on a compris, quoi. Il est vrai, assez vite. Alors après, bon, bah, je veux dire, le temps fera son office, hein, mais il était important pour nous de trouver une explication à ce drame. Le temps est une aide précieuse pour vous? Ben je pense, oui. Enfin, je l'espère plus pour mes enfants que pour moi. Parce que je veux dire, nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre vie, elle est tracée. Mais pour mes enfants, oui, j'espère qu'il n'y aura pas trop de séquelles. Parce que je veux dire... Beaucoup de choses sont faussées au niveau rapport humain. La vision de l'homme, je veux dire, est dégradée par une chose de ce genre. Alors j'espère bien que mes enfants sauront faire la part des choses, n'est-ce pas, et dire, bon ben...
Parce que vous aussi, monsieur, j'imagine que malgré tout ce que vous pouviez entendre en parallèle, jamais vous auriez pu imaginer un seul instant que la nature humaine pouvait être aussi mauvaise par moment. Oui, mais bon, on entend à la radio des choses abominables, c'est un fait, mais on pense toujours que c'est chez les autres, ça se passe chez les autres. Non, ça se passe aussi chez soi. Ça peut être un décès, chez nous c'est un crime. Chez d'autres, c'est une noyade, c'est une maladie, même d'un jeune enfant. Les douleurs sont là et on se rend compte que, oui, on est dans un monde violent où on relâche des criminels et donc nos enfants sont en danger permanent. Nous-mêmes, même des adultes, sont en danger. Et bien, ça peut arriver à n'importe qui se promène dans la rue. Nous sommes conscients, tout à fait conscients de ça, alors qu'auparavant, on pouvait penser que non, pas forcément. On peut vivre dans un village tranquille, non. Il n'y a plus de village tranquille. Quand vous parlez des criminels, vous faites bien sûr allusion au parcours de ce tueur en série qui a bénéficié d'une certaine forme de mansuétude de la part de la justice, bien entendu, puisqu'il était en liberté conditionnelle au moment où il a commis les actes. Bien sûr, mais ce n'est pas le seul. Il y en a eu d'autres depuis qui ont récidivé également. Et donc c'est un véritable problème de société, un problème juridique de relâcher des gens dangereux dans la nature. Psychologiquement, c'est inadmissible. Dans quel état d'esprit abordez-vous ce procès qui visiblement aura lieu cette année, hein, durant le deuxième semestre? Je l'appréhende un petit peu, je le crains un petit peu déjà de découvrir découvrir et déjà la lecture des dossiers, tout ce que la petite a enduré, et par la suite, même sur les peines qui seront prononcées, il y a de fortes chances que les juges d'application des peines les réduisent comme ils le font systématiquement. Donc une peine qui est prononcée, à mon simple bon sens, doit être appliquée dans son intégralité, puisque c'est une peine. Et donc, quand quelqu'un est condamné à perpétuité, eh bien, pour moi, c'est à vie. Il n'est pas question de relâcher quelqu'un qui peut être dangereux. On peut être de nouveau dangereux, même à 70 ans. Même à 75 ans, on peut être dangereux sur un enfant. Vous devez redouter avant tout aussi la confrontation, j'imagine, avec l'agresseur. Oui, pour l'instant, Baudin ne reconnaît rien. Donc, j'appréhende. Mais j'appréhende d'une certaine façon, mais je veux les voir. Je vais être en face d'eux. Je veux les voir. Mais vous n'avez malgré tout pas de sentiment de haine aujourd'hui qui vous habite. C'est ça le paradoxe de la situation, en fait. Non, l'irréparable est commis. Bon, ma petite, spirituellement, est au bon endroit. Eh bien, non, mais je tiens néanmoins à ce que la justice soit appliquée, pleine, la justice pleine et entière, et dans son intégralité. C'est mon espoir. On parle parfois de repentance, de pardon. Il faut déjà qu'il demande pardon. Et pour demander pardon, il faut quand même reconnaître. Il faut reconnaître ce qu'on a fait. Il ne reconnaît rien. Il me paraît difficile qu'il puisse demander pardon. Mais s'il le fait, certainement que je lui pardonnerai. Madame, des paroles très fortes. Vous trouvez, vous situez à l'unisson de votre mari sur ce terrain-là? Non, moi j'ai déjà pardonné. Ma prière, c'est qu'il se convertisse. Mais, je veux dire, nous avons eu la chance d'avoir grandi dans une famille profondément catholique, donc nous avons eu cette chance-là que n'a pas eu Baudin. En France, c'est comme ça, enfin en France et dans d'autres pays, on parle de l'abolition de la peine de mort, mais ce sont des mots tout ça. La peine de mort en France, elle est appliquée, pour les innocents, les enfants dans le sein de leur mère,
les personnes en fin de vie, les handicapés, voilà. Elle est pratiquée à grande échelle, et pour les innocents, pour les criminels, eh ben on ne veut pas l'appliquer. La France a perdu, où est le bon sens dans tout cela? Et vraiment, ça, je dis tout ça vraiment sans haine, sans vengeance, sans du tout, du tout. Mais simplement, il faut que les gens puissent vivre, je veux dire, en paix. Je veux dire, il ne faut pas lâcher des loups enragés et puis transformer nos maisons en prison parce qu'il y a des loups à l'extérieur. Je veux dire, il ne faut pas inverser les rôles. Les loups dangereux, les loups enragés, on les garde enfermés de manière à ce que nos enfants puissent jouir pleinement de leur liberté. Mais vous ne pensez pas finalement que la vraie justice est ailleurs, la vraie justice, elle est divine, et que c'est un autre niveau que ça se situe, non? Ben, je veux dire, bien sûr, mais je veux dire, l'un n'empêche pas l'autre. Dieu pratique sa justice, mais enfin, le gouvernement doit aussi, sur cette terre, pratiquer sa justice. Donc pour vous, vous attendez vraiment une condamnation très ferme, et après et seulement pourra commencer éventuellement un cheminement. Le cheminement, je l'ai déjà commencé. Je n'attends pas 2 ans ou un procès ou pour commencer à faire le deuil, à continuer à vivre. Il le faut quotidiennement, il faut avancer, il faut progresser. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que j'espère que la justice, elle soit intègre et qu'elle applique à la lettre les peines prononcées. Et voilà, donc... on écarte les gens dangereux. Vous disiez tout à l'heure à propos de la grâce, vous disiez finalement, c'est comme si on était en haut, au-dessus en fait, d'un chemin et qu'on voyait en dessous de nous défiler un film. La grâce peut s'exercer à plusieurs niveaux. Il est vrai que nous ne vivons pas, je pense, enfin je dis nous parce que j'ai eu l'occasion d'en parler un peu avec différents membres de ma famille. Nous ne vivons pas le moment, je veux dire, dans toute son acuité, le drame dans toute son acuité. Un petit peu comme si nous étions dans un état second. Donc je pense que ça, c'est une grâce, pour que l'on puisse ne pas être anéanti et continuer la route. Mais par moment, nous percevons, enfin je dis nous, pareil, parce que d'autres membres l'ont vécu comme ça, nous percevons le drame dans toute sa gravité, et le sol se dérobe sous nos pas, mais ça ne dure pas, comme si Dieu voulait nous montrer notre petitesse. Alors justement, si vous avez accepté aujourd'hui de témoigner devant nos caméras, devant celles de KTO, c'est précisément pour faire passer un message d'espérance. Hein. Et vous avez des citations, puisque vous en délivrez beaucoup. Vous appuyez vraiment sur des moments clés de la Bible hein, pour à la fois nourrir votre spiritualité, enrichir votre existence et aujourd'hui témoigner. Et parmi toutes ces prières, il y en a une spécialement que vous voulez nous lire. Oui, parce qu'elle est pleine d'espérance. Elle m'a beaucoup aidée dans ce drame que nous avons vécu. Elle m'était envoyée par un moine de Trior. Alors je vais vous le lire. Donc, c'est un poème qui est dédié à Jeanne-Marie. « Je n'étais qu'un bouton, pas encore une fleur, et j'ai donné mon fruit mûr au fond de mon cœur. Au rendez-vous fixé par Jésus, mon sauveur. Ne pleure pas, maman, j'ai franchi la laideur. Ne pleure plus, papa, mais pense à la douceur. Elle inonde mes jours. Oui, pense à mon bonheur. Maintenant, ma beauté se donne resplendie au sein de cette église où vous m'avez blotti. Reconnaissez l'amour. Croyez qu'il m'a choisi. Il passait dans le vôtre et je m'en suis nourri. Et c'est notre victoire et celle de la vie. » C'est l'une de mes dernières questions, mais vous avez-vous songé à vouloir la rejoindre? Je n'appréhende plus la mort comme je l'appréhendais auparavant. Je sais qu'elle est de l'autre côté, ma fille est de l'autre côté, qu'elle m'attend, donc ça n'est plus, je ne l'aperçois plus pareil. Mais non, je sais que ma place est ici, que mes enfants ont beaucoup trop besoin de moi pour envisager de partir si vite. Pour vous aussi, monsieur, c'est la même chose? Oui, absolument.
Non, je n'ai pas. Je n'avais jamais dans l'idée de vouloir la rejoindre tout de suite. Non, nous avons encore une charge familiale, et donc la vie, elle continue. Elle continue, mais je sais qu'elle m'attend, elle m'accueillera. Sa présence ici est bien sûr très très marquée. Est-ce que vous avez songé à changer totalement d'environnement pour essayer de penser aussi un peu à autre chose? Non, non du tout. Du tout, au contraire, nous avons mis des photos, des portraits dans le couloir, dans les chambres, etc. Et lorsque nous y passons, nous la regardons, nous lui sourions, nous lui parlons. Elle vit avec nous. Elle vit tout à fait avec nous, sauf que nous ne la voyons pas. Mais nous sentons sa présence et nous vivons avec. Voilà, après les parents de Jeanne-Marie, c'est au tour de sa grande sœur, Anne-Catherine, d'accepter de venir témoigner sur KTO. Bonjour tout d'abord. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez vécu ce drame? Alors, je vais d'abord rappeler que c'était donc le 18 juin 2004, c'était la fête du Sacré-Cœur. C'est une fête très importante dans notre famille qui est consacrée et nous avons un petit peu tous vécu dans le recueillement ce jour-là. Bon, maman faisait de la pâtisserie pour les festivités du soir et donc le drame, enfin la disparition de ma petite sœur est intervenue à ce moment-là. Mais nous nous sommes quand même tous rendus à la messe le soir et ça nous a permis déjà de confier toute cette peine à notre Seigneur et puis d'alerter aussi tous nos amis de notre paroisse à Strasbourg qui se sont fait un relais de prière pour nous soutenir. Donc c'est allé très vite, mais ça a été en même temps tout de suite reporté sur un plan spirituel. Et dès le lendemain, des équipes de prière sont mises en place à l'église du village auxquelles nous avons participé et ça nous a immédiatement permis de vivre le drame à une dimension spirituelle très forte pour nous tous. Et j'ose le dire, la paix avec laquelle nous avons traversé ces 11 jours d'angoisse est vraiment une conséquence directe de toutes ces prières et de la foi qui est la nôtre, quoi, qu'on lui a permis que nous ayons. On peut revenir un instant sur les circonstances. Quand vous avez appris le drame, c'est-à-dire la mort de votre petite sœur? Moi, j'étais moi-même au travail, donc à Strasbourg, et c'est un coup de téléphone. Mais c'est vrai que, compte tenu de la date, parce qu'on a quand même une grande importance aux dates, j'y croyais pas. Je me suis dit, bon, ça attend des preuves, on va la retrouver. Bon, c'est plus le lendemain, quand je suis rentrée à la maison, que je me suis rendu compte de la gravité de la chose. Est-on suffisamment armé pour affronter une telle cruauté? On ne peut pas l'anticiper. On ne peut pas l'anticiper, c'est vraiment une épreuve. Mais notre Seigneur dit à saint Paul que sa grâce lui suffit. On ne peut pas se mettre à la place des personnes qui vivent ça. On a vraiment la grâce de l'épreuve au moment où elle nous arrive. C'est vraiment l'expérience qu'on a faite, quoi, je crois, mes frères et sœurs comme moi à ce moment-là. On m'aurait demandé il y a un an, et si ça t'arrivait, j'aurais certainement pas répondu ça. On fait l'expérience de la confiance et de l'abandon au jour le jour. Si vous voulez, pendant 11 jours, on se disait qu'il n'arrive que ce que Dieu permet. Jeanne-Marie, où qu'elle soit, on ne sait pas où elle est, où qu'elle soit, elle est quand même dans les mains de Dieu. Voilà, c'est l'esprit qui nous animait, c'était ça. C'était vraiment une paix que je ne peux pas décrire. Malgré la peine, malgré l'angoisse. Le fait que ça touche quelqu'un qui soit très, très priant, innocent bien sûr, mais de se croire très, très priant et qui se confiait à Marie et au Seigneur, est-ce que pour vous, c'est une source d'injustice supplémentaire? Non, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le comprendre. On aurait pu se dire, elle ne méritait pas ça, mais personne ne mérite ça. Mais on ne peut pas dire l'injustice. Enfin, le bon Dieu l'a permis. Si vous voulez, c'est pas à la créature à donner leçon au créateur. On accepte les choses comme elles sont. Bien sûr, on peut se dire c'est injuste, pourquoi elle, pourquoi... C'est un mystère, ça, je pense qu'on ne peut pas l'expliquer. Parce qu'en fait, elle s'est trouvée tout bonnement sur le chemin de ce... Elle a fait une mauvaise rencontre. Ça aurait pu tomber sur quelqu'un d'autre, je pense. Maintenant, le bon Dieu a permis que ce soit elle, pourquoi elle. Elle était peut-être aussi prête, c'était peut-être son prête à paraître devant lui. Bon, elle était dans une disposition qu'on ne connaissait pas, enfin... Assez pour... Mais... Vous êtes le numéro 2 de la famille. Est-ce que vous avez un devoir aujourd'hui de montrer l'exemple? C'est une épreuve qu'on porte vraiment en famille, tous ensemble.
Il y en a qu'on n'a pas les comment dire les périodes à vide en même temps, et donc ça permet de s'entraider. Mais c'est vraiment chacun porte son épreuve à son niveau et à sa mesure. Mais on s'aide vraiment les uns les autres, quoi. Mais je suis aussi aidée par les plus jeunes et vice-versa. Jeanne-Marie, on sait, était très très proche de sa petite sœur, la dernière. Ah oui, oui. Et donc j'imagine que pour elle, c'est peut-être ce qui est le plus difficile à vivre. Oui, je pense. Mais comme je vous disais, je pense aussi, dans la confiance qu'on a en la Providence, qu'elle a la grâce de porter l'épreuve qui est la sienne. C'est-à-dire, c'est le plus intense, c'est une grâce plus grande. Enfin, parce que c'est quand même... Bon, on ne connaît pas les souffrances intérieures, bien sûr, mais on la voit vivre et quand même, elle paraît assez sereine. Donc ça explique aussi que, sans doute, elle a des grâces que nous ne percevons pas. Ah oui, oui, ça, j'en suis persuadée. Et quelle est votre vision maintenant sur l'homme en particulier et sur la vie en général ? Pour moi, ça n'a pas beaucoup changé. C'est-à-dire que, bon, on sait que le mal existe, on sait que les hommes peuvent être mauvais. Bon. Sur la vie, ça reste un peu la même chose, sauf que. Comment dire, j'ai peut-être une plus grande confiance dans la mesure où je vois qu'il y a des épreuves très, très lourdes, très difficiles qui finalement peuvent être surmontées. Ce qui humainement, je n'aurais pas forcément cru avant cela. Je pensais qu'on n'aurait pas pu se relever après ça. Mais je ne dis pas que c'est terminé, je ne dis pas que je serai toujours dans cet état d'esprit, je ne dis pas que demain je ne peux pas... Bon, mais à chaque jour suffit sa peine. Je veux dire, c'est la grâce de l'instant présent, quoi. Votre mère, tout à l'heure en marge de l'émission, nous disait que finalement la vie c'était comme une chambre d'hôtel où on passait et on ne changeait pas finalement les murs. Vous avez, vous, la même vision des choses ? La vie c'est quoi ? C'est un instant ? C'est une goutte d'eau dans un océan ? C'est quoi ? Oui, c'est vrai, mais enfin, c'est pas comme ça qu'on le perçoit d'un point de vue sensible, quoi. Ouais. Mais c'est vrai qu'à l'échelle de l'éternité, la vie c'est un court instant. Enfin, bon, au jour le jour, on la voit passer quand même. Et vous avez une fenêtre, vous, ouverte sur le ciel avec votre petite sœur qui vous parle. Ah oui, oui, oui. Oui, ben oui, elle nous a précédés. Dans la mesure où on sait que quand on a la foi, l'âme est immortelle, on sait qu'elle nous attend là-bas. Mais comme papa disait tout à l'heure, on vit avec elle, vraiment tous les jours, quoi. On va tous les jours au cimetière, elle est là présente avec nous tout le temps. Les morts ne sont pas des absents, ce ne sont que des invisibles. Quelle est la prière qui vous plaît le plus, qui vous nourrit le plus ? Je dirais que c'est la prière de saint Augustin, quand il a perdu son ami. Il y a une prière très belle qui s'intitule « Ne pleure plus si tu m'aimes ». Je ne sais pas si vous voulez que... Vous pouvez la réciter ? Je ne le connais pas par cœur. J'aime beaucoup la lire et la méditer, mais je ne la connais pas par cœur. Vous pouvez nous la lire, tout simplement. Oui. Ne pleure pas si tu m'aimes. Si tu savais le don de Dieu et ce qu'est le ciel. Si tu pouvais d'ici entendre le chant des anges et me voir au milieu d'eux. Si tu pouvais voir se dérouler sous tes yeux les horizons et les champs et l'éternel, les nouveaux sentiers où je marche. Si un instant tu pouvais contempler, comme moi, la beauté devant laquelle toutes les beautés pâlissent. Quoi ? Tu m'as vu, tu m'as aimé dans le pays des ombres et tu ne pourrais ni me revoir ni m'aimer encore dans le pays des immuables réalités. Crois-moi, quand la mort viendra briser tes liens, comme elle a brisé ceux qui m'enchaînaient, et quand un jour que Dieu connaît et qu'il a fixé, ton âme viendra dans le ciel où l'a précédé la mienne, ce jour-là tu reverras celle qui t'aimait et qui t'aime encore. Tu retrouveras son cœur et tu en retrouveras ses tendresses épurées. Essuie tes larmes et ne pleure plus si tu m'aimes. Dernière question que je voudrais vous poser, quel est votre sentiment vis-à-vis de Pierre Bodin et de son entourage ? On peut rappeler peut-être aux téléspectateurs également qu'il y a 21 personnes dans cette affaire qui ont été mises en examen, entre 5 et 7 qui sont écrouées aujourd'hui. Voilà, dont on pense quand même qu'il est le principal instigateur du drame quand même. On essaye de pardonner tous les jours. C'est-à-dire que quand même on demande la force, parce que humainement parlant, c'est pas possible. Mais moi, je redoute un petit peu de le voir face à face, si vous voulez, quoi, que j'y suis bien décidée, mais on demande la force de pardonner chaque jour. Je suis, en ce qui me concerne, dans une disposition plutôt favorable à cela, mais ça ne dispense pas la justice de s'appliquer. Bon, merci beaucoup d'être venu témoigner. Tout de suite, on va écouter une chanson que votre sœur aimait entendre
aimait chanter, elle aussi, interpréter. Et c'est une chanson de qui ? Jean-Claude Guyanada. Oui. Et elle venait ici, hein, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Elle venait ici au salon. Elle l'a chantée encore la veille de son enlèvement dans le jardin. Elle la chantait beaucoup. Elle a beaucoup de cantiques qu'elle aimait. Mais j'avais ce CD depuis seulement un mois. Et c'est vrai que sur cette chanson-là, elle avait, entre guillemets, flashé. Et elle la chantait beaucoup, oui. Je crois que tout a été dit dans cette interview, mais puisqu'il nous reste 2-3 minutes d'antenne, on va en profiter avec Marc Gouchat qui nous a aidé à préparer cette émission. On va faire un point et revenir peut-être, Marc Gouchat, un court instant sur les conditions d'organisation de cette émission. Alors, je voudrais dire d'abord que nous étions vraiment très bien accueillis par toute la famille qui s'était réunie pour la période des fêtes, les parents et les 7 enfants. Ils étaient très contents de pouvoir parler à nous, de se livrer à nous. On avait même l'impression qu'ils avaient un besoin. Ils avaient confiance également dans l'enquête confiance, Théo, hein, notre chaîne vraiment. De télévision, hein, qu'ils connaissaient par réputation. Et... Oui, ils nous ont même préparé une petite chanson. C'était vraiment très touchant. Alors nous avons décidé de filmer la famille Kejlin chez eux, dans les contextes familiales, dans leur maison, et ne pas les faire venir sur le plateau, ici, parce que ce sont des gens qui ont voulu rester le plus discret possible. Donc, pas question de les filmer à l'extérieur, dans les villages, dans un cimetière ou à l'église. Une interview, Marc Gouchat, exceptionnelle. Oui. Et pour une fois, je dirais, ce mot exceptionnel n'est pas galvaudé. Tout à fait. C'était vraiment une interview exceptionnelle parce qu'il faut dire que ce sont des gens qui sont très peu diseurs. Ils n'ont jamais voulu accepter faire les témoignages pour la presse ou pour la télévision ou alors très, très sommairement. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette interview ? Effectivement, je suis très touchée. Ce que je trouve le plus beau, c'est qu'en écoutant ces gens-là, en les voyant, nous avons l'impression que la petite Jeanne-Marie est toujours là. Elle est présente, vivante. On la voit sous la photo posée derrière, mais aussi on a presque l'impression qu'elle est parmi ses parents. Pourquoi les enfants si présents dans cette famille, les 7 autres, n'ont pas été présents finalement à l'image ? Nous avons décidé de ne pas diffuser ces images parce qu'ils sont encore mineurs, ils sont encore fragiles. Et il faut savoir que le procès n'est pas encore terminé. Aussi, il y a les autorités qui ont demandé de ne pas dévoiler certains détails. Et puis, il faut dire également qu'un des frères de la petite Jeanne-Marie est séminariste. Oui. Et il n'a pas eu vraiment l'autorisation de son supérieur pour pouvoir parler devant nous.
Donc, pour toutes ces raisons, nous avons décidé de parler juste avec les parents et une fille. Mais je peux vous assurer qu'ils étaient tous là et très contents de nous accueillir. Ben, merci beaucoup, hein, Margoucha, d'avoir participé donc, avec notre équipe rédactionnelle à la préparation et à la réalisation de cette très, très belle émission. Merci à vous et félicitations pour votre français, vous qui êtes d'origine polonaise. Voilà, merci une dernière fois à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro de KTO Magazine.